Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. Incroyable. On va faire les suites des vidéos où je rentre dans les ballons. J'avais déjà fait une vidéo où je rentrais dans un ballon classique où il n'y avait rien. Ensuite on a émis un palier de pouces bleus où on devait le remplir d'eau. Donc c'est ce que j'ai fait. Et maintenant on va faire, pas avec de l'eau, pas avec de la lave, pas avec du feu, pas avec de... avec des orbises. Je vais mettre la balle d'orbise dedans et après je vais rentrer dedans. Et ça va être un sable mouvant, ça va être excellent. En tout cas si vous êtes hype par la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Si vous êtes chaud pour un épisode 4, n'hésitez pas à me donner d'autres idées en commentaire. Et je regardais au niveau des pouces bleus si ça vous donne envie un épisode 4. Bref, on va pouvoir commencer la vidéo. Go! Bon, c'est parti. Moi, je redoute un peu cette partie de vidéo parce que ça y est, là, il n'y a plus d'été. C'est le froid glacial. Je suis actuellement en t-shirt et abonné pour cacher mon crâne chauve. Je vais quand même devoir remplir le ballon plein d'eau. Mais l'eau, elle est gelée. L'eau, c'est un glaçune. J'ai une idée de genius. On a une douche extérieure. Je vais prendre le pommeau, je vais le mettre dedans et je vais mettre un bal chaud. Du coup, je vais prendre un petit bain au calme. Ça a marché ou pas? Bah, je pense. Après, ça va vite se rafraîchir. Oh putain, ah, il faut... la porte elle est accessible quoi. Faire Koh-Lanta quoi. Ah, y'a une rallonge ou... Non, pas de rallonge. Le truc il est tout petit, regarde. Bon, c'est pas grave hein, on va s'adapter. Je vais ramener la boule ici et puis ce sera bon. Y'a un petit problème de dimension je trouve. Bah en vrai ça passe là, non? Attends, je vais voir si c'est assez long. Ah! Non, ça passe en vrai hein. C'est bon, le pommeau de douche est dans le ballon. On va pouvoir mettre l'eau hyper chaude dedans. Au moins, je vais pas me geler comme un petit pingouin. Vas-y, tu peux le mettre. Allez, si tu pars. Ah, attends. Mais à balle chaud. Bah c'est au max genre. Mais attends, faut pas que ça fasse l'inverse, faut pas que ça me brûle hein. Imagine, j'y vais, ça me brûle. Bon, c'est mieux que le froid déjà, non? De toute façon, tu la laisses 3 minutes dehors, ça va être froid hein. Tu penses? Et au pire, les orbises, ils vont absorber l'eau et les orbises, elles seront chaudes. Mais oui, parce qu'en soi, il est pas censé avoir d'eau hein. Elles seront brûlantes, les orbises. Excellent. Pourquoi c'est froid, Bastien? Bah, c'est au max à gauche. Non, c'est pas possible, tu t'es trompé de côté. Bah à gauche, c'est chaud, non? Bastien, c'est froid. Vas-y, mets l'autre côté hein. Oh, elle est gelée. Bon, elle est dans tous les cas en fait. Ah non, c'est bon, elle est brûlante. Ouais, ouais, c'est un bouillon. Putain, mais j'aimerais bien le caler, je vais pas comme rester comme ça pendant 4 heures. Ouais, ok, c'est bon. J'ai peur par contre, le chauffe-eau de la maison, il est assez gros. Ah oui, parce que là, il va en avoir beaucoup de buée. Parce qu'il y aura beaucoup d'eau chaude. On voit bien que c'est chaud hein. Ouais, il y a beaucoup de buée. T'as vu? Mais par contre, quand je vais dedans. Bah, tu vas brûler. Oui, parce que tu vois, quand je prends un bain, des fois, dans la salle de bain, il y a plein de buée. Et du coup, j'ai du mal à respirer, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre, après j'ai froid et du coup, je sors. Oh non, c'est tiède. C'est pas bouillant. On va tâter pour voir si l'eau, elle est encore chaude. Why? Oh non, wow, c'est brûlant. Par contre, quand je vais rentrer, je vais me... brûler quoi. Je vais me brûler. Pose-moi une question, la question fatidique de la vidéo, pour savoir si elle va bien se dérouler. Si tu mets le panier, ça veut dire que ça marche bien? C'est ça que ouais. Tu veux dire? Ouais. Vas-y, d'ici par contre. Hein. Avec le pied, hein. Avec le pied en plus. Ouais, la vidéo va pas marcher. Si je le mets, le bottle flip, la vidéo, elle va bien se dérouler. Si je le mets sur le bouchon, c'est que ça va bien se dérouler. Les amis, j'ai oublié de vous parler de l'objet principal de la vidéo. On va utiliser... des petites orbises dans un paquet. Il y a 50 000 billes dans le paquet. Et ben on en a pas un de paquet. Ni deux, ni trois. On en a 5. Allez, c'est ça, 5 paquets. Donc tu fais 50 x 5, ça fait 250 000. Tu te rends compte comment il y en a beaucoup? Ah, c'est énorme. Il y en a, c'est énorme hein. Est-ce que tu penses que là il y a assez d'eau pour mettre 250 000 billes d'orbises? Je suis pas sûr hein. Bon les amis, j'arrête de faire le guignol. On attend vraiment qu'il y ait assez d'eau et on se retrouve juste après. Ok, let's go. On a enfin attendu assez longtemps, je pense. Regardez-moi la gueule du truc. C'est un glouton, man. C'est un glouton. En vrai, c'est assez, Bastien. Oui, là, il y a quand même beaucoup d'eau. On a vidé 6 fois le chauffe-eau. J'espère que l'eau, elle est encore chaude, par contre. On va bien couper tout ça. Ensuite, on va l'enlever. On va mettre les orbises. Et on fait... Et on va le gonfler après. Hop, j'éteins. Je récupère le petit frérot. On va le tirer pour le mettre au milieu du jardin. C'est lourd, tu penses? Ah, je pense que c'est très lourd. Ouah, c'est lourd de fou. Ah, j'arrive pas à le tirer. Non, vraiment. C'est hyper lourd. Ah. Essaye. Wow. On l'a déplacé de... Wow, de ouf. Maintenant, je pense qu'il est l'heure de mettre toutes les orbises. Oh. Oh. Attends, mais ça va être trop beau. Ça va être énorme. Ça va... Par contre, c'est joli. Hein. Regarde, on voit à travers et tout, c'est très beau. Oh. Il y en a encore deux. Oui, il y en a encore deux. Quand je vais être dedans, ça va être... Ça va être... Je sais pas comment ça va être, personne ne le sait. Et la dernière. J'ai l'impression qu'on a mis beaucoup trop de... Non. Non, t'inquiète, vas-y, continue. Ok, d'accord. C'est la dernière boîte de 50 000 billes et on la déverse dedans. Allez, j'espère que j'ai mis assez d'eau. On ferme bien pour perdre aucune bille. C'est good. C'est magnifique, hein. C'est trop beau. J'ai hâte de le gonfler pour me mettre dedans. Maintenant qu'on a fait ça, on est à la deuxième et je sais plus à combien d'étapes. Il y a eu quoi? Bah d'abord mettre l'eau, mettre les orbises. Et maintenant. Et le gonfler. Du coup, c'est la troisième étape. On va chercher un aspirateur qui souffle. C'est l'heure de gonfler le ballon. On est bien, ça gonfle bien, ça commence à être bien dur. On va voir si c'est bien dur. Oh merde. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai voulu faire ça? Je me suis éclaté comme une bouse. Parce que du coup c'était pas bon. Je suis tombé à même le sol. Il faut tout regonfler et je suis mouillé. Bon bah faut repartir de zéro.
Oui, sans fail. Pour la sécurité optimale, on va bien scotcher ici pour fermer correctement la fermeture éclair. Maintenant, on va pouvoir déplacer le ballon parce qu'on va pouvoir le faire rouler maintenant. Wow, c'est mignon. Oh, c'est trop beau. Viens voir. Wow, c'est magnifique. Mais je crois qu'il y a trop d'eau. Mais j'ai l'impression qu'il y a que dalle d'orbise. Ou c'est qu'elles sont toutes au même endroit? Bah, elles sont au même endroit et puis elles sont pas parfaitement gonflées encore. L'objectif a été validé. Maintenant, il va encore falloir attendre parce que ces trucs, ça met 400 ans à gonfler en entier. Là, c'est des petites billes qui sont à 1 mm. Et après, elles peuvent gonfler jusqu'à 11 mm. Le temps qu'elles gonflent et qu'il s'imbibe d'eau, il va falloir quand même attendre pas mal de temps. Mais j'attends de voir quand elle va être énorme. Et ben, ça va être le cas dans quelques secondes pour vous, pour quelques heures pour nous. On se retrouve pour nous dans 6 heures, pour vous dans une seconde. A tout de suite. C'est bon, on a assez attendu. On a attendu quoi? Une heure et demie? Ouais. Et je pense que les billes, elles sont pleines d'eau et c'est incroyable. Vous êtes prêts pour voir le résultat? Go! Bon, le résultat en extérieur est moins satisfaisant, je pense, que quand je vais être à l'intérieur. Je vais m'émunir d'une petite caméra embarquée, je vais rentrer dedans et je vais tâter le terrain. Ça va être incroyable. J'espère que ça va être hyper satisfaisant et hyper beau surtout, parce que là, il y a un peu les reflets et c'est un peu flou. Mais dedans, je pense que c'est un arc-en-ciel, le truc. Bon, pour prendre des mesures de sécurité, je vais enlever mon bonnet. Hein? Et je vais rentrer dedans pour avoir plein d'aérodynamisme sur mes vaches. Le bonnet a été enlevé, il faut que j'enlève mes chaussures. Prêt? Quand tu veux. Allez, je tire. Ouais. Mais juste là, en fait, il y a déjà la sensation. Et c'est quoi la sensation? Un petit peu. Mais en fait, ça laisse pas d'air. Genre même, tu vois, entre mes mini orteils, il y a des billes qui se coincent. Peu importe où il y a de l'espace, il y a des billes. Cette fois-ci, il va falloir que je rentre en entier. Ok, Bastien, il va m'enfermer. C'est parti. Je commence à être dedans. Non, mais par contre, c'est beautiful. Oh, j'adore. Ok, Bastien, il m'a actuellement enfermé. Je suis comme un raisin sec. Vous me voyez de l'extérieur. Il va maintenant mettre l'aspirateur et il va souffler. Tu vas gonfler? Oui. Ok, 3, 2, 1. Ah, je commence à avoir pas mal d'espace, c'est plutôt agréable. J'ai pas l'habitude de montrer mon crâne jaune. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui te demandent, moi c'était un kiff, moi je voulais juste sentir l'air passer sur mon crâne. Mais j'ai hâte que ça repousse quand même. Je crois que Bastien, il a enfin fini de gonfler la bulle. Oh punaise, c'est vraiment trop satisfaisant. De l'extérieur, je pense que ça fait pas le même effet. Mais genre quand t'es dedans, oh ça t'enveloppe comme un petit biscuit dans un tiramisu. Toi, t'en penses quoi de l'extérieur? Bah, j'ai beaucoup de buée là. Maintenant, ça va être la phase d'expérimentation. Et bah... je vais m'amuser. Allez, on va se lever tranquillement. Mais par contre, ça m'enveloppe, c'est excellent. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais j'adore. C'est trop trop bien, trop satisfaisant. J'ai envie vraiment que mon lit soit rempli de ça. Je vais courir. Hein? Quoi, je suis un gros, quoi, ça fout pas, hein? Ouais, j'en avais dans la bouche. C'est parti. T'as dans la bouche encore. Mais oui, j'en ai mis dans la bouche encore. Et j'en ai dans mon oreille. Allez, on commence à avancer tranquillement. On est sur une bonne lancée. Allez, on bouge pas. On fait bien ses autres tours. Oui, 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 oui. C'était excellent. Cette phase-là a été validée. On va pouvoir passer à une prochaine expérience. Attends, je vais immerger les gens sous les orbises. Allez. Du coup les amis, ça y est, on va passer à un mini-jeu. Il y a Bastien juste dehors avec une petite bille toute rouge. Et le but, je pense que vous avez compris. Oui, il va la passer à l'intérieur de ses petits trous. Il va me secouer dans tous les sens comme un milkshake. Et du coup, je vais devoir retrouver la minuscule bille. Du coup, ça y est, il commence à ouvrir la petite trappe. Il a sa petite bille en main et il va la mettre dans le trou. Attention. Elle est où? Je l'ai perdue déjà. Ça y est, je vais pouvoir lâcher la bille. Je l'ai entre mes mains. Elle est vraiment minuscule. Non, mais il faut que je la retrouve, hein. Je vais jamais réussir, je pense. Ça va être dur, hein. Ouais. Largage de la mini-bille que je vais devoir retrouver dans 3, 2, 1. Adios, mon petit poulet. Ah, ok, on va commencer à chercher. Mais attends, mais je vais jamais la retrouver. Non, Bastien, vraiment, je crois qu'on a fait une mauvaise idée, là. Attends, regarde, elle est juste là. Ah, oh, putain, non, vraiment, c'est dangereux, ça. Excuse-moi. Non, mais vraiment, ça va être impossible. Je pense que je vais adopter la technique assise. Le but, c'est vraiment de la faire remonter, quoi. Dès que je vois un truc bien rouge sortir, je le chope instant. Parce qu'à tout moment, il se remet sous l'eau, quoi. Oh là là, mais ça va être dur. Allez, là. Oh, putain, je l'ai vu. Là. Oui. Ah, non, là. Allez, où? Où ça? Non, ça, je l'avais vu. Elle était là, elle était là. Là. Attends, je la sens, je l'ai perdue, elle est pas loin. Non, elle était pas loin, je vous jure, je l'avais vue. En tout cas, moi je l'ai vue. C'est vrai? Ouais, j'ai vu une boule rouge, j'ai fait bon. Oh non, il me l'a reperdu. Il me tourne comme un petit mistoudrige. Regarde juste là, va de là. Oh.
Juste ici là. Allez, ressort petite bille. Allez. C'est dur. Mais ouais, putain, tout à l'heure je l'avais. On va la faire sortir, on va la faire sortir. Ah, c'est beau. En plus, y a que du rouge, j'ai l'impression. Oh, oh, j'ai cru la voir. Vraiment, j'ai cru la voir. Je sais pas si c'est mon cerveau qui bégaye. Et je regarde. Oh putain, elle est là. Arrête. Quoi? What? What? Elle est sortie de où? Elle est sortie nulle part. Ouais. Les amis, j'ai mis 15 minutes à la trouver. Wouhou. Je commençais à avoir flou là. Le petit jeu de la mini bille a été validé, je suis trop content. On va finaliser la vidéo avec un truc incroyable. Vous allez voir, on va filmer cette petite préparation. Les amis, c'est l'heure de mettre le petit pouce bleu pour encourager la chaîne, c'est excellent. T'es prêt Bastien? Moi je suis chaud. Parce que là ça va être incroyable. On met tous en place? Let's go. Go. On est en pleine préparation. On va, je pense que vous avez compris, emmener la boule au niveau de la piscine. On va la mettre sur l'eau, accrochée à l'aide d'une petite prise juste ici. Et Bastien, il va mettre les gaz. Et là, la bulle, elle va se faire tirer sur l'eau. Ça va être incroyable. Comment ça va procéder? Bastien, il sera dans sa petite voiture juste ici. Il va mettre les gaz. On a relié à la boule d'attelage un petit nœud, une corde qui est tendue au max jusqu'à moi dans la bulle avec les orbises. Moi, je vais slider comme un ski nautique sur l'eau. Et ça va être incroyable. Je pense qu'on va pouvoir commencer. J'espère que ça va bien fonctionner. On va caler quelques petites cames pour vous aider toute la scène en action. T'es prêt, Bastien? Ouais. C'est parti. Ok, normalement, c'est carré de ouf. Ok, par contre, ça va être chaud d'avoir un clap. Oh, le retour des frérots. Ça va quoi, les gars? Ça fait un moment. On grossit encore, j'ai l'impression. Hein. Tu sais qu'il y a plus d'eau, hein, ça a tout absorbé. Hein. T'es prêt? Ça va être incroyable, hein, je suis prêt. Allez, je m'installe. Oh non, mais attends, ça peut être dangereux, non? Non, t'inquiète. Ok, d'accord. Les amis, ne reproduisez surtout pas ça à la maison. Parce que nous, on est entraînés, on fait ça toutes les semaines. On prend pas mal de précautions. Voilà, on sait comment réagir si jamais il y a un souci. Bon, maintenant, je vais le jeter à l'eau. T'es prêt? Ah, attends, attends. Je peux dire un dernier mot? Vas-y. J'espère. Bon. Ah, j'ai pas le temps de dire ma phrase. Ouah. Oh, je suis recouvert. Bon, c'est bon, va 10 000 accrocher, je vais pouvoir mettre les gaz. Dans quel pétrin je me suis mis? Il a fait le signal, il va partir. 3, 2, 1. Ouah. Oh, c'est incroyable. Je vais voir ce que ça donne. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est une dingue, non? Putain, frérot, la vague que ça a fait à l'intérieur, c'était dingue. Ah bon, c'est que j'étais juste fort, là. Non. C'est sûr, j'ai pas envoyé les gaz à balle, hein. Oh, frérot, mais tu sais que là, j'ai fait... On verra les câbles, mais j'ai rebondi comme un trampoline, hein. Bon, la première fois, c'est bien passé, on va faire la deuxième. Ok, c'est bon. Il va allumer le bolido, il va klaxonner, et cette fois-ci, il va mettre les gaz. Oh, putain. Oh putain, ça a percé, hein. Ça a fait un putain de trou. Heureusement, j'ai eu le réflexe de mettre ma main, sinon je coulais, hein. Oh putain. Wouah. Let's go. Oh, c'était le truc de fou. On a eu des réflexes, comme je vous ai dit. Ne faites surtout pas à la maison. Les amis, c'est sur cette fin épique que cette vidéo se termine. Et en tout cas, si vous voulez d'autres épisodes, il va falloir que je rachète un autre ballon. Et je vous dis, ça coûte pas mal cher. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, je regardais. Et on fera un épisode suivant où on mettra quelque chose d'autre dedans. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Il y a 2 vidéos par semaine, c'est excellent. En tout cas, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur. Ciao les poulets.